Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne avec Heroes of the Dead Gods où nous allons aujourd'hui parler des armes de boss. Sinon là je vais parler juste des armes de boss, je ferai peut-être un truc sur les armes maudites ou sur les armes maudites et armes de boss pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Là on va parler de comment les avoir déjà, j'ai vu qu'en plus bon, vous n'aimiez pas les vidéos qui durent plus de 2 minutes 30 donc on va essayer de faire court. Le seul truc à savoir sur les armes de boss, c'est que vous avez 20% de chance de les avoir si vous remplissez les conditions. Chaque boss a une condition spéciale à remplir pour qu'il puisse looter son arme, et à partir de là, il a 20% de chance de la looter. Chaque boss donne deux objets, ça veut pas dire 40%, ça veut dire 20 et 20, ce qui n'est pas pareil. Donc il peut être intéressant de prendre la relique qui fait que les boss donnent jusqu'à 5 objets différents, comme ça, ça fait 5 fois 20%, c'est pas 100%, mais bon, c'est comme si vous aviez acheté 5 billets au loto, quoi. Et peut-être les reliques pour faire en sorte que les ennemis les coffres lâchent des objets de rareté supérieure. Je suis pas sûr que ça rende vraiment en compte. Là, c'est vraiment peut-être, je vous assure rien. Alors, comment avoir ces armes? Je vais donc évidemment vous spoiler chaque boss, hein. Enfin, les deux premiers boss de chaque temple en tout cas. Pour le premier boss du temple du jaguar, vous avez sans doute remarqué, si vous avez des yeux, qu'il invoque des jaguars. Eh ben, il suffit de tous les tuer avant de tuer le boss. Il faut qu'il n'y ait aucun jaguar invoqué quand vous tuez le boss. C'est pas plus dur que ça. Pour les frères du con et du con, les jumeaux, eh bien celui avec le foie déjà est appelé jumeau du soleil, celui avec l'épée jumeau de la lune. Je le dis au cas où vous cherchez des informations sur le net. Hein. Pour les deux, il faut faire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut parer 3 fois d'affilée. Ce qui veut dire qu'on peut potentiellement faire tomber les deux armes en un try. Bon, faudrait avoir beaucoup de cul, mais ça doit être possible. Ce qu'ils appellent parer 3 fois d'affilée, ça veut pas dire parer un combo de 3 coups, genre de choses. Ça veut dire que vous devez faire 3 parades sans vous prendre un coup au milieu. Vous pouvez très bien parer une attaque, en esquiver 2 autres et faire 2 autres parades. Ça fait 3 parades, vous avez pris aucun coup au milieu, ça marche. 3 pour le mec au fouet et 3 pour le mec à l'épée, selon l'arme que vous voulez. Chacun loot donc un truc, un fouet ou une épée. Et donc, bah, il suffit de faire 3 parades, c'est pas plus dur que ça. Enfin, c'est pas plus dur que ça, attention à celui à l'épée quand même. Hein. Pour le temple du serpent. Alors, en premier, nous avons la sorcière qui doit être tuée pendant qu'elle brûle. Donc vous lui mettez simplement un coup de torche, et puis coup de torche, coup de tête, et voilà, c'est fini. Pour son pote qui met des coups d'estoc et du poison, là, lui, il faut le tuer pendant qu'il est affaibli. Alors, il y a certaines armes qui affaiblissent, je pense à un marteau ou une lance notamment, mais sinon, une parade sur un coup au corps à corps de l'ennemi l'affaiblit, et lui met le statut affaibli pendant environ 5 secondes. Donc il vous suffit de parer une attaque juste avant de le finir, et puis de le finir ensuite, quoi. Et le temple de l'aigle. Alors d'ailleurs à ce propos, je tiens à m'excuser entre guillemets, j'ai pas pu faire la vidéo plus tôt à cause de ce temple. En fait, si vous voulez, on avait les 2 premiers temples dans l'early access, donc pas l'aigle, et les 4 premiers boss qui pouvaient donc looter leurs armes, et on savait comment, on avait essayé de chercher les conditions, etc. Par contre, le temple de l'aigle est sorti peut-être un mois et demi avant la fin de l'early access, et même là, les boss ne lootaient pas leurs armes, ils les lootent seulement depuis la release. Donc il a fallu, à la release, quelques jours, histoire d'essayer toutes les conditions possibles et savoir ce qu'il fallait faire vraiment pour que les boss lâchent leurs armes. Alors le piaf, lui, c'est peut-être le plus chiant en fait. Vous avez sans doute remarqué qu'il fait un espèce de Kamehameha Palpatine où il balance des éclairs. Me jugez pas, j'aime pas Star Wars. Mais vous avez un truc où il balance vraiment un éclair qui dure assez longtemps. Et ben ça, il faut en fait le tuer pendant qu'il est en train de faire ça, donc pendant qu'il est en train de balancer son rayon. Faites attention parce que vous avez le temps mais vous avez pas trop le temps quand même. Donc le mieux quand vous voyez son animation, c'est de se coller à lui et de partir au niveau de sa hanche, ou encore le mieux de faire une roulade pour passer dans son dos. Et normalement le temps qu'il tourne, vous avez le temps de lui en mettre une. Et pour le bodybuilder, le dernier boss, il fait une espèce de charge où il met son épaule en avant qui pourrait ressembler à un tackle de football américain. Eh ben, en fait, il faut esquiver 5 fois ça en faisant une esquive parfaite. Ce que le jeu appelle une esquive parfaite, c'est quand vous faites une esquive et que vous regagnez directement votre point d'endurance. Vous avez même un espèce de petit bruit si vous le faites. Faut donc l'esquiver 5 fois. C'est pas forcément 5 fois d'affilée, c'est pas forcément sans prendre de coups, vous pouvez en prendre plein la gueule dans le combat, il suffit de faire 5 esquives parfaites de ça. Comme ça, ça sonne un peu compliqué, mais je vous assure que c'est facile et que vraiment, il laisse tout le temps. L'attaque étant multi-hit, je vous conseille de passer à travers le boss. Vous roulez vers lui en fait. Lui, quand il vient vers vous, vous allez vers lui quand vous roulez. Ce qui fait que vous êtes moins exposé, entre guillemets, et que vous profitez plus de vos frames d'invulnérabilité. Et ben voilà, écoutez, hein, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur les armes de boss, ou en tout cas sur comment les looter. Donc si vous voulez savoir ce que j'en pense de ces armes, ou sur les armes maudites d'ailleurs, ce genre de choses, dites-moi dans les commentaires, j'en parlerai. Mais sinon, bah écoutez, voilà, vous avez les infos. Et pareil, hein, si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris ou dont vous n'êtes pas sûr, demandez-moi. Allez, je vous remercie d'avoir suivi ça et je vous dis à une prochaine. Ciao.